Hey, what's up? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien. Aujourd'hui, programme de musculation où on va bosser l'avant des épaules, la veine qui est ici, mais aussi les trapèzes, ok? En trois exercices. Donc, prends tes haltères, ta bouteille d'eau et on commence. Premier exercice, élévation frontale en unilatéral. Hop, tranquillement avec les haltères. On va se faire 4 fois 10 répétitions, ok? C'est parti, on y va. Hop, on prend les haltères comme ça et... Ouf. Une. Ok. 2. 3. Allez. 4. Ok. 5. Allez. 6. On contrôle bien le mouvement. Allez. 7. Allez. 8. Allez. 9. Hop. Et 10. Ah ouais, je cogne les haltères, c'est pas bon ça. Temps de repos. Hop. C'est parti. Et je note aussi sur ma petite feuille que j'ai bien fait une rep. Ouais, parce que là, c'est bon. Dans un de mes exopec, je me suis mangé une punition parce que j'ai juste fait 3 séries au lieu de 4. Là maintenant, je note, c'est fini. Repos. 1:30. Ou 1 minute, tout dépend de toi. Moi, on va faire 50 secondes, d'accord? Parce que je suis chaud. Et là, je vais pas à la salle, tu vois. Là, je fais mes programmes à la maison. Je vais pas à la salle, donc ça sera mes séances, ok? Ce sera mes vraies séances et programmes maison. Je vais en faire plusieurs, je vais retourner plusieurs pour être bien. Et pour être vraiment bien, il me faut un temps de repos assez court, d'accord? Ok, on est à 45, super. Hop, on va reprendre tranquillement. Mais toi, tu peux partir au bout d'une minute ou 1 minute 30. Ou 50, c'était vraiment chaud. Allez. Une. Hop. Deux. Allez. Trois. Oh. Allez. Quatre. Oh. Allez. Cinq. Six. Allez. 7, allez, 8, allez, 9, et 10. Oh. Hop, le petit trait pour dire que j'en ai fait 2. On démarre le chrono. Avant la séance, j'ai bu un petit café. Franchement, ça me fait du bien. C'est un petit booster naturel pour moi. Ah, ça me fait du bien. Normalement, ouais, là je vois à mon retour caméra que tu vois l'avant des épaules commence déjà à être développé et la petite veine aussi commence à apparaître. Tu vois, c'est ça qu'on veut développer. C'est ça qu'il faut avoir. C'est important. Si tu veux ce prolongement, bosse l'avant des épaules. 34, ok, c'est bon, j'ai le temps de parler. Beaucoup de personnes vont te dire en salle, oui, faut pas bosser l'avant des épaules, ça sert à rien et tout. Moi, je le bosse, je veux la veine, je bosse, d'accord? Et comme on n'est pas chargé, on n'a pas le choix, on doit bosser 2 fois plus que les autres. 50, on repart. Hop, pour la troisième. Allez. Une. Deux. Allez. Ouf. 3, c'est là que ça bosse. Allez. 4. Allez. 5. Allez. 6. Allez. 7. Allez, c'est rien. 8. Allez. 9. Et 10. Ok. Le petit trait. On a fait 3. Hop. Et le temps de récup. Oh. Une gorgée. C'est largement suffisant. Oh. Travailler en unilatéral, c'est très important. D'accord? Ça permet de bien développer ses muscles.
Notamment si t'as un point faible, le travail en unilatéral, c'est important. C'est vraiment important. Ok? Hop, hop. Et c'est bien. Hop, une. Deux, c'est pas une, deux. Trop, non, non. On fait pas du pédalo ici, on bosse, d'accord? Il n'y a pas de moulin, d'accord? Tranquillement, on valide. Hop, une. On fait les choses bien. Parce que je vois trop de gens, ils trichent. Ou si tu fais ça, tu vas jusqu'à 20. Ça sera pareil. Voilà. D'accord? Mais 20, psychologiquement, c'est long. Bon. On a 1 minute, on va repartir. Hop. Et l'exercice 1 sera validé. Allez. On fait les choses bien. Ouf. Ah, j'ai frappé la bouteille d'eau. Allez, une. Deux. Oh, ça me fait du bien, ça me fait du bien. Là, je sens que je suis bien congestionné là. Ouh. Seulement l'exercice 1. Je mets mon petit trait. Hop. Tu prends une, deux ou trois minutes de repos et on passe à l'exercice suivant. Deuxième exercice, on repart sur la même chose, mais là, avec les deux. Donc celui-là, il va te fumer, d'accord? On n'est pas là pour rigoler, on est là pour s'entraîner et se détruire. Pareil, 4 fois 10 reps, ok? On se prépare tranquillement, haltère, et on bosse. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Je mets mon petit trait tranquillement. Mon temps de récup. Ah, les épaules, faut les matraquer. On n'a pas le choix. Faut les matraquer. Il faut vraiment y aller. Allez, hop, hop. C'est important. Contrôle bien. Moi, j'ai des haltères de 14 kg. C'est trop lourd pour toi. Baisse au niveau de la charge. Baisse. Moi, ça va. C'est une charge que je maîtrise. Qui n'est pas lourde pour moi et qui n'est pas légère non plus. Tu vois? C'est entre le léger et le moyen, si tu veux. C'est pas entre le moyen et le lourd, c'est entre le léger et le moyen. Donc, avec ça, je congestionne quand même bien et je bosse bien. Repos. Entre 1 minute ou 1 minute 30. Moi, je vais sûrement prendre 1 minute, d'accord? Parce que 50 secondes encore, là, ça sera chaud. Ça sera vraiment chaud. Oh, il reste 10 secondes. On fait les choses bien. Et on bosse. Objectif, grosses épaules. C'est important. Allez, on va repartir tranquillement. Hop. 10 reps, on triche pas. Attends, je décale la bouteille d'eau, sinon je vais la shooter encore. Hop, on y va. Une. Deux. Allez. Trois. Quatre. Ok. Cinq. Ok. Six. Allez. Sept. Huit. Neuf. Et 10. Oh. Mon petit trait, j'étais au deuxième, hop. Temps de récup. Ouh. Les épaules, si tu veux, ce programme-là, c'est bien de le faire. De toute façon, je le redirai à la fin. Mais c'est bien de le faire avec un autre de mes programmes, tu vois. Par exemple, j'ai fait des programmes PEC, d'accord? Tu auras un programme PEC et à la fin, tu te finis par ça, ce programme-là. Excellent. Ou alors, tu commences par ça et tu fais un autre programme épaule ou un programme bras. Excellent aussi. Tu fais tes choses tranquillement. Deux programmes, c'est bien. Parce que ce programme-là, c'est plus un programme de finition qu'un programme pour commencer la séance. Il est parfait en deuxième exercice, ok? Oh. Et tu peux le faire sur un banc, sur une chaise, peu importe. Moi, j'ai un banc, d'accord? Mais j'aurais préféré avoir une chaise quand même. Au niveau du dos, on est bien. Hop, 54. On va repartir. Oh.
Ok, on repart tranquillement. Allez, 10. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Hop, le trait, troisième. Effacer, on remet le chrono tranquillement et on est bien. C'est ce qui me fatigue le plus, c'est de compter et de parler en même temps. Parce qu'à la base, à mes sens, je suis focus, je parle pas. Là, le fait de parler, tu vois, ça m'essouffle, mais c'est important. Si tu suis ma vidéo et tu m'entends, tu vois, ça fait une petite conversation tranquillement. Et je veux que tu sois accompagné, c'est important. Au début, en muscu, on a besoin d'être accompagné. Et après, au bout d'un certain niveau, tu te rends compte que tout seul, tu fais les choses bien et tu vas loin, d'accord? Oh. Mais au début, ça fait-tu bien d'être accompagné, de faire sa séance en n'étant pas tout seul, d'accord? C'est important. Et c'est déjà 45, là. Le temps, il passe vite, maintenant. C'est incroyable. De toute façon, c'est la dernière. On va faire ça bien. Et après, ça sera trapèze. Ok, on repart. Allez, c'est parti. Dernière, on fait ça bien. On valide. Allez. 1, 2, 3, allez. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Le petit trait, très important. Ok, tu prends 1, 2, 3 minutes de repos et on passe à l'exercice suivant. Dernier exercice, trapèze, on va faire des shrugs basiques, d'accord? Petit rappel, les shrugs, là je me vois bien autour caméra, c'est pas juste, tu fais ça, d'accord? Tu mets tes épaules en arrière légèrement et hop, regarde, hop, là je suis en mode normal, là je suis en arrière, hop, tu vois, là je suis en normal et là je suis en arrière, tu vois, c'est pas pareil. Tu vois comment ils sont mes trapèzes comme ça? Tu vois comment ils sont comme ça? C'est pas pareil, ok? On va se faire 4 fois 10 reps, ok? Prends des haltères tranquillement. Et on bosse. Je prends mes haltères. Épaules en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le petit trait. Temps de récup. Alors, comme c'est un petit exercice tranquille, mon temps de récup va être relativement court. Je vais partir sur 30 secondes. Mets-toi une minute max. Pas une 30, là, une minute max. Ou 30 secondes, c'est comme moi. Par contre, c'est vraiment rapide, 30 secondes. Là, je suis déjà à 20, là. C'est incroyable. Allez. Non, non, finissons là. On fait les choses bien. On n'est pas là pour jouer. Les trapèzes sont les débloqués. Allez. Épaules en arrière. 1, 2, 3, allez. 4, 5, ok. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Mon petit trait. Très important, alors, le plus important est le temps de récup. Oh. Oh. Boire un peu d'eau. Tu vois, je voulais parler, je voulais dire un truc, mais on est déjà à 21, j'aime pas le temps de parler. C'est incroyable. Allez, on repart. On repart tranquillement pour la troisième. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6,
Hop, 7, ok, 8, 9 et 10, ok. Oh putain, je suis KO. Alors, c'est une. Tranquillement. Et on fera les choses bien. Normalement, là, niveau de la congestion, je suis bien, je suis bien. Et là, j'aurai mes bras là, je me dis. Le programme bras, il sera chaud. Parce que normalement, après, c'est les bras. Enfin, faut voir mon petit planning. Mais après ça, c'est les bras que je fais. Direct, là, j'enchaîne. Donc, je vais voir si mes bras sont prêts. C'est déjà 25. Putain, c'est incroyable. Bon. Fais la dernière. Et on revient dans le sérieux. Allez. Une. Deux. Ok. Trois. Quatre. 5, 6, oh, 7, 8, ok, 9 et 10. Oh putain. Le petit trait très important. Ok, tu prends 2 à 3 minutes de repos et soit tu passes à un programme suivant ou bien alors tu vas te rincer et c'est fini pour toi. Donc voilà pour cette séance avant des épaules et trapèze. J'espère que tu as kiffé cette séance. Comme j'ai dit, ça c'est une séance de base que tu l'as fait en finition. Tu vois, tu fais un programme avant et tu fais ce programme-là en dernier. Ou alors tu peux tester ce programme-là pour voir les sensations que ça te procure. Mais je te garantis que tu seras bien avec ça. Ok? Si tu as des suggestions de programme, dis-moi dans les commentaires. Moi, tu vois, je regarde un peu les demandes qu'il y a, j'écris et je bosse tranquillement. Si t'as aimé cette vidéo, mets un j'aime, mets un like, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi si c'est pas fait. Et moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.